Alors retenez bien, s'il vous plaît, que lorsque le verbe principal est au passé, on doit appliquer les règles de la concordance des temps. Les dites règles, vous les avez suffisamment étudiées au collège et au lycée, avec votre professeur, notamment dans le cadre de la leçon sur le discours direct, le discours indirect. Alors remarquez très bien, dans ce petit tableau, nous avons deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif. Dans le deuxième cas de figure, nous avons le même verbe, mais conjugué au passé composé. Alors, il me demande si j'ai vu ce film, passé composé, verbe voir, passé composé. Alors, on va dire, il m'a demandé si j'avais vu ce film. Que remarquez-vous? Que remarquez-vous? Le passé composé devient plus que parfait. Elle me demande si j'aime ce film, verbe aimer, présent de l'indicatif. On va dire, il m'a demandé si j'aimais ce film, imparfait. Donc la règle, le présent de l'indicatif devient imparfait. Elle me demande si j'irai voir ce film, le verbe aller au futur simple, j'irai. Elle m'a demandé si j'irai avec AIS voir ce film. C'est le conditionnel présent. Donc le futur simple devient conditionnel présent.